Bonjour, je suis Alexandra Falba, je suis responsable formation pour une enseigne de soins des mains et aujourd'hui on va parler de la folie des vernis craquelés. Depuis le début de l'année 2011, la nouvelle tendance et la nouvelle grande folie sur le vernis à ongles, c'est l'effet craquelé. Vous vous posez peut-être la question de savoir comment ça marche et comment ça s'applique, alors c'est parti, on va faire le tour ensemble. Le principe de l'effet craquelé, c'est de superposer deux vernis, le premier qui va servir de couleur de base et qui est n'importe quel vernis laqué, et le second qui sert de top coat craquelant, dans une teinte de préférence un peu contrastée, pour obtenir des effets aléatoires et un peu arty. Je vais vous montrer tout de suite comment on applique le vernis craquelé, et puis je vous donnerai ensuite quelques conseils pour que ça marche vraiment bien. L'essentiel est d'attendre que votre vernis soit bien sec avant d'appliquer celui qui craquellera par-dessus. En appliquant votre vernis craquelant, il va falloir procéder avec une certaine rapidité. Vous le prélevez, vous l'appliquez en une couche. Peu importe si vous bavez un petit peu, c'est pas très grave. Et vous voyez immédiatement votre vernis qui craquelle. Comme il est difficile d'appliquer très vite votre vernis craquelé sans en mettre partout, vous pouvez utiliser un stylo correcteur imbibé de dissolvant pour éliminer vos bavures. Si néanmoins vous préférez avoir quelque chose de brillant, vous appliquerez tout simplement une couche de top coat par-dessus pour redonner de la brillance à l'ensemble. Voilà le résultat final de votre pose de vernis craquelé. C'est très joli, les combinaisons sont infinies, donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire ce qui vous plaît. Et voilà, désormais vous savez tout sur le vernis craquelé qui n'a plus de secret pour vous.